الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور والأيام وخصه بجميل المزايا وضاعف فيه الأجور للصوام وتوجه بتاج القبول وأنزل فيه قرآنه العظيم على سيد الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأذكركم ونفسي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عباد الله إنه بعد عدة أيام ستجلنا شهر كريم شهر رمضان شهر يتجلى عليكم في الآن مرة واحدة ليزداد فيه الآمنون ويتوب فيه الآثمون فرهبوا به صادقين وتوبوا فيه نادمين وأنيبوا إلى الله فيه راغبين وعملوا فيه مخلصين فإنه شهر يقال فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, Inch'Allah, dans quelques jours, nous serons dans le mois béni de Ramadan. Alors, au cours du dernier sermon, le sermon précédent, l'imam Ousmane Silla nous a entretenu sur comment se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. Alors, dans la même veine, Inch'Allah, nous allons vous entretenir aujourd'hui sur certains points que les musulmans doit mettre en œuvre, se préparer pour bien accueillir le mois de Ramadan. Autrement dit, pour bien aborder son mois de Ramadan. Car avant le mois de Ramadan, il y a des questions préalables que le musulman doit se poser. Alors, si Allah m'a donné le mois de Ramadan, pourquoi il m'a donné le mois de Ramadan? Ramadan passé, certains frères, certains sœurs étaient avec nous, mais eux, ils n'ont pas eu la chance d'avoir ce Ramadan qui est en train d'arriver. Mais moi, que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ce Ramadan, alors, qu'est-ce qu'il veut de moi? Comme vous le savez, vous tous, Ramadan, c'est le moment opportun, approprié pour les fidèles musulmans de rentrer au paradis. Car si le paradis coûtait 1 million de francs CFA en mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il va diminuer le prix. Il va vous donner le paradis à 500 francs CFA. Alors, au lieu d'un million, avec 500 francs, tu as accès au paradis. C'est ça le mois de Ramadan. Parce que Ramadan, c'est un atout que le musulman doit profiter. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit: il dit malheur à celui qui a vécu au cours du mois de Ramadan et ses péchés n'ont pas été pardonnés. Jibril a prié, Jibril a dit à Muhammad, malheur à tous ceux parmi ta communauté qui ont vécu au cours du mois de Ramadan, ils n'ont pas pu travailler pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse leur pardonner leur péché. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Bimana qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce cette prière.
Et la prière est exaucée. Pour nous dire, nous allons aborder le mois de Ramadan. Mais quitter le mois de Ramadan avec ses péchés, alors ça, ce n'est pas permis à un fidèle, ce n'est pas permis à un bon musulman. Tous les musulmans doivent faire des efforts pour que le Ramadan soit fructueux, pour qu'on puisse profiter agréablement des mérites du mois de Ramadan, pour que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe sur nous de la manière que la pluie tombe sur la terre. C'est ce qui est recommandé à tous les fidèles musulmans. Alors, pour mieux profiter du Ramadan, il faut le préparer, fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs. Il ne faut jamais accepter que le Ramadan arrive, toi-même tu es surpris du Ramadan. L'arrivée du Ramadan ne doit pas nous surprendre. Ça doit venir trouver que nous nous sommes bien préparés pour l'accueillir et l'aborder en toute sincérité. Alors pour cela, il est bien, comme le faisait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux approches du mois de Ramadan, il parlait beaucoup à ses compagnons. Il parlait des mérites du mois de Ramadan. Ramadan, c'est quoi? Ramadan, ça vient nous donner quoi? Alors, fidèles musulmans, aujourd'hui, nous nous disons, oui, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le Ramadan, nous avons le devoir de chercher à comprendre réellement les règles du mois du Ramadan. Parce que le Ramadan est le quatrième pilier de l'islam, qui veut dire que c'est une obligation divine. Si c'est une obligation, comment moi je vais aborder le mois du Ramadan? Il faut trouver des réponses à cette question-là. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour réussir mon mois du Ramadan? Il faut trouver aussi des réponses à cette question. Quels sont les actes que je dois poser pour que le Ramadan soit pour moi un mois béni, un mois de pardon et un mois où Allah subhanahu wa ta'ala va m'inscrire parmi les héritiers du paradis? Fidèles musulmans, pour mieux préparer le Ramadan, il faut méditer sur le comportement de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant le mois de Ramadan. Au cours du mois de Shaaban, qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il faisait pour préparer le Ramadan? Parce que le Ramadan pour nous est agréable, mais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était plus agréable. Pourquoi? Parce que c'était le moment que Jibril alayhi salam, il venait chaque jour rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et enseigner avec lui le Coran. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, Jibril venait rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lisait le Coran ensemble jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Alors, cette occasion n'était pas donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'était qu'au mois du Ramadan. Alors, si tel est le prophète, pour nous aussi, nous avons ce mérite-là au cours du mois du Ramadan. Mais comment nous devrons préparer le mois du Ramadan? Nous avons dit qu'il faut chercher à comprendre réellement. Comment moi je dois jeûner? Quels sont les actes qui annulent le jeûne? Et quelles sont les conditions du jeûne? Quels sont les piliers du jeûne? Ça, c'est les règles. Et ces règles-là, du fait que l'autre connaisse, ne va pas, comment dirais-je, laisser l'autre-là à ne pas apprendre. Chacun de nous, individuellement, doit faire des efforts pour le maîtriser, pour le connaître. La connaissance de l'un ne peut pas remplacer la connaissance de l'autre. Alors pour cela, fidèles musulmans, aujourd'hui nous allons nous étaler sur les conditions du mois de Ramadan, les conditions du jeûne du Ramadan. Et après cela, nous allons évoquer les piliers du mois de Ramadan. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous accorde l'envie, inshallah, au cours des prochains sermons, nous allons aborder les actes qui annulent le jeûne. Tout ceci sont des règles que nous devrons maîtriser avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Et inshallah, les imams vont travailler, les imams vont nous enseigner. Mais souvent, l'enseignement des imams ne suffit pas. Il faut que le fidèle musulman cherche à comprendre lui-même son état, à comprendre réellement ce qu'il doit faire au cours du mois de Ramadan. Car si on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit l'adorer avec la connaissance. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ignorance. C'est pour cela Allah dit,
فَعْرِفُونِي قَبْلَ أَنْ تَعْبُدُونِي فَإِنْ لَمْ تَعْرِفُونِي فَكَيْفَ تَعْبُدُونِي. Cherchez à comprendre réellement, à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car si vous ne connaissez pas Allah, comment vous allez l'adorer? Connaissance d'Allah ici, c'est pas d'aller chercher à comprendre qui est Dieu, il est comment, non. C'est de chercher à comprendre les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandées, comment s'acquitter de ces obligations. C'est cette connaissance, de cette connaissance-là il s'agit. Alors, fidèles musulmans, pour le mois de Ramadan, nous nous posons cette question. Qui doit jeûner? Pour qui le jeûne de Ramadan est obligatoire? Alors, nous allons citer les conditions. Si toutes ces conditions sont remises à une personne, à un musulman, à un fidèle, qu'il doit savoir que pour lui, le jeûne est obligatoire. Alors, pour celui-là, où les conditions ne sont pas remises, alors le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire pour lui, n'est pas une obligation. Fidèle musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, « Ya ayyuhal lazina amanu, kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala lazina min kablikum, la'allakum tattaqun. » Il dit, « Oh vous les croyants, le jeûne a été décrété obligatoire sur vous, de la manière qu'il a été pour ceux qui vous ont précédé, à ce que vous atteigniez la crème révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Qui veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Mais l'objectif majeur du jeûne du mois de Ramadan est que le Ramadan nous amène à avoir la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons le paradis. Parce que si on craint Allah, on ne va pas commettre des péchés. Si on craint Allah, on va l'adorer convenablement. Si on craint Allah, on va toujours chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici pourquoi Allah nous a donné le mois de Ramadan comme un raccourci pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux avoir Allah? Allah t'a donné le mois de Ramadan, il faut en profiter. Fidèle musulman, qui doit jeûner? Le jeûne est obligatoire d'abord pour les musulmans. Il faut être un musulman avant qu'on parle de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Alors, quand on est musulman, voilà, l'une des conditions est là. Et ceux qui ne sont pas musulmans, quand ils jeûnent, comme nous l'avons souvent certains parmi nous, certains de nos amis, c'est-à-dire pour témoigner leur respect, leur amour, leur sincérité à leurs frères, à leurs amis musulmans, ils vont jeûner avec eux. Pour dire, malgré que je ne suis pas musulman, j'ai jeûné. Alors, lorsqu'on jeûne de cette façon, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de récompense. Peut-être, le jeûne peut renforcer notre amitié. Ça peut renforcer, comme la confiance mutuelle qui est entre nous. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mérite. Pourquoi? Parce que le jeûne est basé sur la foi musulmane. Attester d'abord qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Alors quand on a cet engagement et qu'on est musulman, c'est là le jeûne est profitable pour nous. Alors pour jeûner, il faut être musulman. Ça c'est la première condition. Deuxième condition, il faut être pubère, atteint l'âge de la puberté. C'est-à-dire, il faut être responsable de ses actes. Alors quand on atteint l'âge de la puberté, en ce moment le jeûne devient obligatoire. On est musulman et on a atteint l'âge de la puberté, ça fait deux. Ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, les enfants, nous constatons que les enfants aiment jeûner. Les enfants aiment accompagner leurs parents. Et les enfants, même à l'école, souvent, ils sont gênés lorsque les autres disent que nous avons gêné, que lui n'a pas gêné. Alors les enfants, il faut les encourager. Il faut les encourager à apprendre à jeûner avant le moment opportun. C'est pas que l'enfant, il est là, ses parents gênent, mais lui, il ne gêne pas.
jusqu'à l'âge de puberté, on va lui demander de jeûner. Il n'a pas encore appris. Il n'a pas encore appris vraiment à jeûner. Alors celui-là, il faut l'encourager. Quand les enfants jeûnent, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des mérites. Ils donnent des mérites à leurs parents. Alors, et les enfants aussi en profitent. Ceci ne veut pas dire qu'on doit empêcher un enfant de jeûner. Parce que souvent, nous disons aux enfants, non, toi, tu n'es pas à jeûner, tu es trop petit. Il faut... Non, non, non. Même s'il peut jeûner de matin à midi, il faut le permettre de jeûner du matin à midi. Quand un enfant jeûne aussi, toi-même, tu vois son état, ça ne va pas. Il ne faut pas l'enfoncer pour que demain, il va abandonner. S'il dit, ah, j'ai faim, je ne vais pas continuer, il faut lui donner à manger, c'est un enfant. Voilà. Il ne faut pas le traiter comme une grande personne qui a déjà atteint l'âge de puberté. Non. Les enfants, on les encourage jusqu'à aux limites de leur capacité. Là, il peut supporter le jeûne. Voilà, aujourd'hui, il a jeûné un jour. L'année prochaine, il va jeûner 10 jours. Après, il va jeûner 20 jours. Après, il va jeûner tous les mois de Ramadan avant qu'il n'atteigne l'âge de la puberté. C'est cet apprentissage qu'il faut engager les enfants à le faire. Après l'âge de puberté, il faut être vraiment en bonne santé. C'est-à-dire, quand on parle de la santé ici, il faut que la santé mentale soit au rendez-vous. Celui qui a un problème mental, le jeûne pour lui n'est pas une obligation. Il est musulman, il a atteint l'âge de puberté, mais il n'a pas, toutes ses facultés mentales n'est pas au rendez-vous. Alors celui-là n'est pas obligé de jeûner. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Rufi al-Kalam an-Salazin. Il dit trois personnes, ces trois personnes sont exonérées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces trois personnes, il a cité celui qui ne bénéficie pas de toutes ses capacités mentales. Alors, celui qui a un problème mental, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'oblige pas à faire quelque chose. Alors, ça c'est la troisième condition. Quatrième condition, il faut être un résident. Résident veut dire quoi? Il ne faut pas être en voyage. Le voyageur, lui, il peut laisser le jeûne du mois de Ramadan à cause du voyage. Alors, après le voyage, il va rembourser. Mais s'il sait qu'il peut supporter le jeûne avec le voyage, il peut jeûner. Tu sais qu'on est au mois de Ramadan, toi, tu dois aller à Boaké. Mais d'ici à Boaké, c'est des cars climatisés qui vont t'amener à Boaké. Ça ne va prendre que 2 heures, 3 heures du temps ou 4 heures du temps. Alors, cela ne va pas m'empêcher de jeûner. Tu es permis de jeûner. Mais si tu laisses le jeûne à cause du voyage, quelles qu'en soient les circonstances, alors le voyage est le voyage. L'islam ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas jeûné étant en voyage. Alors, si on est en état de déplacement, le jeûne ne nous est pas une obligation. On peut laisser le jeûne à cause du voyage. Alors, cinquième condition, être en bonne santé. Bonne santé veut dire il faut être capable de jeûner, avoir la force nécessaire de jeûner. Celui qui atteint un niveau d'âge important, qu'il ne peut pas supporter le jeûne, alors pour lui, le jeûne n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que son état physique ne le permet pas de jeûner à cause du poids de l'âge. Alors, quand il y a le poids de l'âge, l'islam t'autorise à ne pas jeûner, mais chaque jour du Ramadan, à donner à manger à un nécessité, à un pauvre, ainsi de suite. Alors, celui aussi qui est malade, il est atteint d'une maladie incurable. C'est une maladie qui va l'accompagner jusqu'à la tombe. Alors, avec cette maladie, lui, il ne peut pas jeûner. Alors, pour lui, le jeûne n'est pas une obligation. Lui aussi, il est comme celui qui a atteint un niveau d'âge, qui n'a pas la capacité de jeûner, ils sont dans la même situation. Lui, il laisse le jeûne, il ne jeûne pas. Mais chaque jour que Dieu fait, il va donner à manger aux nécessités. Alors, deuxième catégorie des malades, c'est celui-là qui est malade, mais la maladie est curable. C'est-à-dire, il est malade aujourd'hui, mais demain, il peut découvrir la santé. Alors, celui-là, quand il est malade, au moment de Ramadan,
Il peut laisser le jeûne, il peut ne pas jeûner. Mais après le mois de Ramadan, s'il a découvert la santé, il doit rembourser les jours qu'il n'a pas jeûné au cours du mois de Ramadan. Fidèles musulmans, pour les mamans qui sont en état de menstrue ou rechie, eux aussi, ils ne sont pas autorisés de jeûner. Mais après le jeûne, après le mois de Ramadan, ils remboursent. Voilà. Il faut connaître ta situation. Ne pas aller là où Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas demandé. C'est ce qu'on dit, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la connaissance. Connaissance veut dire quoi? Mon état aujourd'hui, qu'est-ce que Allah me demande à propos du jeûne du mois de Ramadan? Alors je suis en état de menstrue, pourtant le jeûne même est interdit, tu ne dois pas jeûner. Il faut te reposer, c'est Dieu qui t'a donné cela. Alors tu es en état de menstruer, il ne faut pas jeûner. C'est Dieu qui t'a accordé ces grâces-là. Alors après le mois de Ramadan, tu vas rembourser, Inch'Allah. Alors pour les mamans qui sont enceintes, en état de grossesse, ou bien en train d'allaiter, alors eux aussi, ils ne sont pas appelés à jeûner si le jeûne, si le jeûne interrompt ou bien le jeûne les dérange un peu au niveau de leur santé, ou bien au niveau de la santé du bébé, au niveau de la santé de l'enfant. Si il gêne, lui-même il peut supporter, même l'enfant qui est dans le ventre, ou bien l'enfant qui est en train d'être allaité, ne pourra pas supporter. Alors en ce moment, l'Islam te demande de ne pas gêner, à cause de ta santé, ou à cause de la santé de l'enfant. C'est ça qui est notre religion, la religion musulmane, une religion de l'humanité. Alors, après le mois de Ramadan, quand la femme va atteindre un niveau où le jeûne ne gêne plus sa santé ou la santé du bébé, en ce moment, il va rembourser, Inch'Allah. Fidèles musulmans, telles sont les conditions liées au jeûne lui-même. Mais il y a une autre condition qui est l'observation du croissant lunaire. « Faman shahida minkum shahra falyasumhu » Dieu nous dit dans Surat Bakara, Surat 2, celui qui observe parmi vous le croissant lunaire, qu'il gêne. Alors, l'observation du croissant lunaire fait partie des conditions du gêne ou accomplissement du mois de Shaban à 30 jours. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à partir de 29, nous devrons chercher la lune. Mais si on observe la lune, on va gêner. Au cas où on n'observe pas la lune, on va compléter le mois de Shaban à 30 jours et après, nous commençons le mois de Ramadan. Qui veut dire, il faut que la fin du mois de Shaban soit accomplie, soit une réalité pour que le jeûne du mois de Ramadan soit une obligation. Parce qu'on ne peut pas jeûner le Ramadan étant dans le mois de Shaban. Comme on ne peut pas jeûner le mois de Ramadan étant dans le mois de Rajab. Alors, il faut que le mois de Shaban prenne fin pour que nous puissions rentrer dans le mois de Ramadan. C'est l'une des conditions aussi du jeûne du mois de Ramadan. Fidèles musulmans, après ces conditions, nous avons deux piliers pour le jeûne du Ramadan. Premier pilier, c'est l'intention. Car si nous devrons jeûner le mois de Ramadan, avant de jeûner, il faut formuler l'intention. Les actes ne valent que par leur intention. Alors, quand on jeûne sans intention, le jeûne n'est pas valable. Alors, il faut formuler l'intention comme on le fait d'habitude et après jeûner. On peut formuler l'intention globale pour tout le mois du Ramadan. Comme on peut formuler, c'est-à-dire individuellement, chaque jour du mois du Ramadan, on va formuler l'intention. Mais ce qui serait facile pour vous et pour nous tous, c'est de formuler l'intention depuis le début du mois de Ramadan et continuer à jeûner jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Après l'intention, c'est l'abstinence qui est le deuxième pilier du jeûne du mois de Ramadan. S'abstenir de boire, s'abstenir de manger, s'abstenir de désirs sexuels, depuis l'heure jusqu'au coucher du soleil. Voilà, entre cette période-là, ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir le rapport intime avec son époux, son épouse. C'est ça
le deuxième pilier du jeûne du Ramadan. Il faut s'abstenir de tout cela. Alors, si ces deux piliers sont, sont là, on va dire, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, le jeûne a un sens. Alors, nous avons jeûné le mois de Ramadan, Inch'Allah. Fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs en Islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. Il dit, le sage est celui-là qui a su convaincre son âme. Il a su maîtriser ses désirs et il a œuvré, travaillé pour gagner à l'au-delà. C'est le Ramadan qui est en train d'arriver. Et Ramadan, pour nous, le résultat final, ce n'est pas dans ces bas mondes. Même si nous gagnons dans ces bas mondes, mais le résultat final, c'est à l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui pose un acte, lui, il va le récompenser. Il va le récompenser avec 10 mérites. Il peut augmenter le mérite jusqu'à 700 mérites. Mais celui qui jeûne, il dit le jeûneur n'a pas de prix. C'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui va le récompenser. Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va donner au jeûneur ses récompenses, main en main. Alors si toi tu vas rencontrer le président de la République, il va te donner quelque chose. Même si tu ne dis rien, nous savons que l'enveloppe qu'il t'a donnée est lourde, c'est ça? Alors, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne, ça serait plus que cela. C'est pour cela, fidèles musulmans, le Ramadan est une occasion rêvée pour nous. On ne sait pas, est-ce que le Ramadan qui va venir après va nous trouver en vie? Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui t'appartient. Le moment où tu vis, tu es en bonne santé, tu peux courir de gauche à droite, c'est le moment qui t'appartient. Alors, il faut en profiter. Il faut profiter des grâces du mois de Ramadan. Il faut vraiment ouvrir son cœur pour l'adoration au cours du mois de Ramadan. Il faut ouvrir ses portes pour les pauvres et les démunis au cours du mois de Ramadan. Alors, il faut tisser ses liens de parenté, liens de fraternité au cours de ce mois béni de Ramadan. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, puisse nous donner une bonne attribution, il puisse nous accorder le paradis comme il a accordé à ses bien-aimés, les prophètes, les envoyés de Dieu et les saints, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le Ramadan saint et sauf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde toujours le bonheur éternel. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.